Bien, bonsoir à tous. Merci d'être toujours très nombreux pour communier autour de la couleur. Donc, je vous rappelle que la prochaine fois, le 29 novembre, nous ne nous verrons pas, nous sautons une semaine. Donc, la quatrième séance, ce sera le 6 décembre. Vous parlerez des couleurs du blason et de la symbolique des couleurs. La semaine dernière, je vous avais parlé des pigments, des peintres, des œuvres d'art, des problèmes liés à la création artistique, à la restauration, etc. Aujourd'hui, je souhaiterais attirer votre attention sur les colorants, sur les teinturiers, sur le vêtement, les couleurs des vêtements, les pratiques vestimentaires, bref, un domaine tout à fait différent et peut-être moins bien connu. Je dis souvent à mes étudiants, et ça n'est pas une boutade, je leur dis souvent que pour l'historien des couleurs, les teinturiers sont au moins aussi importants que les peintres. Malheureusement, les teinturiers sont des personnages moins bien connus et en général qui suscitent moins d'intérêt de la part des historiens que les peintres. En outre, le vêtement, comme je l'avais dit en commençant, pendant longtemps, c'est un domaine qui a été abandonné à la petite histoire. Jusqu'aux années 60 ou 70 du XXe siècle, rares étaient les historiens qui s'intéressaient aux vêtements. Et sous l'influence de sociologues, d'ethnologues, le vêtement est devenu un objet de la grande histoire et de l'histoire universitaire, et aujourd'hui un sujet carrefour de nombreuses recherches. Donc on a beaucoup progressé. Malheureusement, cette histoire du vêtement, elle est souvent restée une histoire sans couleur, une histoire achrome, alors que les documents existent. Ils sont même extrêmement nombreux, je vous en dirai un mot dans un instant, mais il y a des livres entiers qui s'écrivent, des livres très savants, aujourd'hui, sur l'histoire du vêtement, sans jamais parler des couleurs. En outre, nos informations pour le Moyen-Âge sont extrêmement inégales, lacunaires dans certains domaines, importantes, voire abondantes dans d'autres. Par exemple, entre le haut Moyen-Âge et le bas Moyen-Âge, ce que nous savons est très différent. Nous en savons beaucoup plus pour le bas Moyen-Âge, les 14e et 15e siècles. Les images que je vais vous présenter ce soir sont presque toutes des images du bas Moyen-Âge. Je n'ai rien à vous proposer concernant le vêtement mérovingien ou carolingien quant à ses couleurs. Également des différences géographiques. C'est lié aux sources, c'est lié aussi aux travaux des historiens et des archéologues. Pour ce qui concerne le monde germanique et l'Italie, beaucoup de travaux. Pour ce qui concerne la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, un peu moins. Et pour le reste de l'Europe, un peu moins encore. Et puis surtout, des différences, des décalages importants entre ce qui concerne la vie quotidienne et puis le vêtement d'apparat, de cérémonie, de circonstance, le vêtement éphémère. Nous en savons beaucoup plus pour cette deuxième catégorie que pour ce qui concerne le quotidien. Et ça n'est pas seulement vrai pour le Moyen-Âge, c'est vrai pour l'Empire romain, c'est vrai pour l'Europe du XVIIe siècle. C'est un problème pour l'historien. De même, nous en savons beaucoup plus pour ce qui concerne l'aristocratie que pour ce qui concerne d'autres catégories sociales. Et au sein de l'aristocratie, le vêtement féminin est mieux connu que le vêtement masculin. Et ça, c'est vrai de presque toutes les époques. Enfin, concernant les différentes pièces qui forment le système vestimentaire, nous connaissons mieux les vêtements extérieurs que les vêtements de dessous, notamment en raison de l'iconographie qui, le plus souvent, ne montre que les aspects externes du vêtement. Donc, beaucoup de décalage sur le vêtement en général et ça rejaillit naturellement sur les problèmes de la couleur. Les sources sont pourtant nombreuses et devraient susciter davantage de travaux que ceux dont nous disposons.
Il y a d'abord un certain nombre de fragments de vêtements qui nous sont parvenus, soit comme objet de fouille, soit comme relique conservée ici ou là dans des trésors d'église et d'abbaye. Il y a une abondance de documents d'archives qui parfois parlent des couleurs dans les inventaires de garde-robe, les inventaires après décès, les testaments, les documents comptables ou notariés. L'historien des couleurs peut moissonner sur ces terrains-là. Et puis, il y a tout le domaine technique concernant le vêtement, les traités, tout le monde de l'industrie textile, qui est la grande industrie de l'Occident médiéval. C'est la seule industrie où l'Occident produit et exporte à l'extérieur de la chrétienté. Donc, elle fait vivre un très grand nombre de gens, suscite un très grand nombre de savoirs, notamment un savoir dans le domaine des teintures. La couleur est concernée au premier chef, et nous avons des traités techniques, des recueils de recettes, comme on en a pour les pigments, on en a pour les colorants, j'en dirai un mot tout à l'heure. Il y a également tout ce qui relève de la littérature, des chroniques, des textes narratifs. Et puis, le dossier immense que nous avons rencontré avec nos images, de l'iconographie et la question de savoir, j'en ai déjà parlé, quel crédit apporter aux couleurs que nous montrent les images pour les vêtements des personnages mis en scène. C'est un document foisonnant. Nous avons des millions de personnages représentés en vêtements et en couleurs dans les miniatures médiévales, des millions, peut-être des dizaines de millions. Que faire de cette masse documentaire? Et est-ce que cela est étudiable? Une fois accepté l'idée que l'image enluminée, l'image peinte, ne photographie jamais la réalité au premier degré. C'est toujours un point de vue, c'est toujours un codage, parfois un codage propre aux documents concernés. Bref, c'est l'imaginaire ou l'idéologie du vêtement qui est bien plus souvent représentée que la réalité colorée du vêtement. C'est vrai de toute époque, hein. Vous avez dit que c'était même vrai de la nôtre, et que les historiens des temps futurs, j'espère, se souviendront de ce décalage qu'il y a entre le document figuré et la réalité du vêtement porté par le commun des mortels. Mais enfin, c'est une masse documentaire absolument incontournable. Et puis, je souhaiterais attirer ce soir votre attention sur un autre dossier documentaire qu'on connaît peu, mais qui, pour l'historien des couleurs, apporte beaucoup. Il concerne uniquement la fin du Moyen-Âge, les lois somptuaires et les décrets vestimentaires qui régissent le port du vêtement et aussi d'autres choses, et qui sont assez bavards sur les couleurs. Alors, je commence par vous dire quelques mots des teintures et des teinturiers. Je vais souligner l'importance de ce domaine pour l'historien des couleurs. Et pour le Moyen-Âge, les teinturiers sont peu étudiés, mais les documents sont nombreux. C'est en effet un métier qui est soigneusement réglementé. Ce sont des artisans, ce ne sont pas des marchands. Et au Moyen-Âge, il y a un grand mépris des seconds pour les premiers. Les marchands ne veulent jamais être confondus avec des artisans. Ils les font travailler, mais c'est une catégorie supérieure que d'être marchand. Les teinturiers, eux, sont des artisans nombreux, en général présents dans les villes d'industrie drapière, et ce sont des personnages agités, querelleurs, en conflit entre eux, en conflit avec d'autres corps de métier. Ce qui veut dire, pour l'historien, des archives. Qui dit conflit, dit procès, dit documents d'archives. Les teinturiers, par exemple, à Paris, sont en conflit permanent avec les tisserands et les drapiers, qui n'ont pas le droit de teindre, mais qui teignent quand même. Alors, les teinturiers sont furieux. Inversement, les teinturiers n'ont pas le droit de fabriquer de draps, mais certains le font quand même. Bref, des conflits professionnels. Parfois, ils sont en conflit entre eux parce que les teinturiers dans les grandes villes d'industrie textile sont très spécialisés au Moyen-Âge. Et ils sont en général regroupés en deux catégories, les teinturiers de rouge et les teinturiers de bleu. Les teinturiers de rouge ont le droit de teindre en jaune et en blanc, en plus du rouge.
et les teinturiers de bleu peuvent teindre en noir et en vert et en bleu, mais pas dans une couleur pour laquelle ils n'ont pas licence. Ils le font quand même dans leur arrière-boutique, et ça suscite ici encore des procès. J'ai étudié, quand j'étais plus jeune, un de ces procès, par hasard très bien documenté. Nous sommes à Nuremberg à la fin du XIVe siècle, et un teinturier de bleu, qui s'appelle Hans Töllner, est inspecté par les officiers du corps professionnel auquel il appartient, et on trouve dans son officine des cuves de teinture jaune, alors qu'il est teinturier de bleu. Il n'a pas le droit de les posséder, mais il le fait probablement pour produire du vert. Il mélange du jaune et du bleu, il doit être un des premiers teinturiers à le faire, dans cette Allemagne méridionale, à la fin du XIVe siècle. Et il se défend très mal, il dit que ces cuves ne sont pas à lui, il ne comprend pas pourquoi on les a apportées dans son arrière-boutique. Bref, ça se passe très mal, et il est condamné, puisqu'il teignait, il utilisait le jaune alors qu'il n'avait pas le droit, puisqu'il était teinturier de bleu. Il est condamné, il n'a plus le droit d'exercer le métier de teinturier que son père et son grand-père exerçaient, et il est chassé de la ville de Nuremberg et envoyé à Augsbourg. Il devait être content, à Augsbourg, de recevoir un tricheur. Parfois, les teinturiers sont en conflit à cause des eaux de la rivière. Ils ont un besoin crucial des eaux. Et alors, si les teinturiers de bleu passent les premiers, naturellement, ils salissent tout. Et alors, les teinturiers de rouge qui viennent derrière ont des eaux sales, bref, des conflits. Je connais un document à Rouen, à la fin du XVe siècle, où les autorités municipales sont obligées d'établir un calendrier d'accès aux eaux de la rivière. Dans d'autres villes, c'est même un horaire quotidien pour les teinturiers de rouge ou les teinturiers de bleu. Les populations, en général, d'ailleurs, n'aiment pas les teinturiers parce que leurs officines sentent très mauvais, sont très sales et elles sont un peu mystérieuses. On se demande ce qui se passe dans ces arrière-ateliers. Les teinturiers transforment la matière colorante. Et au Moyen-Âge, on n'aime pas beaucoup les métiers qui ont à voir avec la transformation de la matière parce que c'est changer l'ordre voulu par le créateur. Les forgerons, c'est pareil, ce sont des personnages dont on se méfie et qui sont quelque peu inquiétants. Même le meunier, qui transforme le grain en farine, c'est un personnage inquiétant et un affameur, souvent un stocker et un affameur. En outre, les teinturiers, eux, sont des tricheurs. Ils vendent comme solides des couleurs qu'ils ne sont pas. Par exemple, teindre en noir, c'est un exercice difficile. Donc, ils ont tendance à compléter leur teinture par simplement du noir de fumée, spécialement sur la laine et parfois sur les fourrures. Et naturellement, au bout de quelques temps, ce noir disparaît et la couleur prétendue solide ne l'était pas du tout. D'où des jeux de mots qui ont cours dans différentes langues. Par exemple, en français, feindre et teindre. Ça fait un calembour et ça souligne bien que les teinturiers sont des menteurs. En anglais, to die, teindre, et to die, mourir. On voit bien qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans le métier de teinturier. En latin, tingere et fingere. C'est la même idée qu'en français, teindre et mentir, tricher. Mais tout cela fait que c'est une profession quand même qui est bien documentée, et ce qui la concerne dans les documents d'archives, dans les archives judiciaires et ainsi de suite, parle parfois des couleurs, même assez souvent, et plus encore des matières colorantes. Ça donne de l'information à l'historien. En outre, comme pour la peinture, nous avons conservé un assez grand nombre de recueils de recettes pour la teinture concernant la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Et on rencontre le même type d'informations et le même type de difficultés, à savoir que ces textes sont difficiles à dater, qu'ils se recopient beaucoup les uns les autres, et qu'en général, ils n'indiquent pas, pour fabriquer une matière collante, ils n'indiquent pas les quantités,
les proportions ni les durées. Ça, c'est un savoir qui se transmet de manière orale, comme pour la peinture et comme pour la cuisine. Donc, pour faire avec, l'information qui nous est livrée est recevable jusqu'à un certain point. Cela dit, la teinturerie médiévale est quand même beaucoup plus performante que la teinturerie romaine, qui elle-même d'ailleurs était plutôt inférieure à la teinturerie des peuples barbares. Les Germains et les Celtes sont plus habiles à teindre que les Romains. Et la palette des teintes est plus diversifiée chez les barbares que chez les Romains, d'où des hiérarchies et des morales de la couleur qui en découlent et dont le Moyen-Âge chrétien est l'héritier. C'est dans la gamme des rouges que les teinturiers sont les plus performants. Grâce à un produit miracle, la garance, on teint en Europe avec les racines de la garance, qui pousse sur de très nombreux terroirs, depuis le néolithique. Et cette teinture à la garance est très solide, relativement bon marché, pratiquée partout. Elle n'a qu'un inconvénient, elle produit des tons très très mats. Mais c'est dans la gamme des rouges et des rouges bon marché que l'on teint les vêtements d'un très grand nombre de catégories sociales. Si on veut une matière colorante plus prestigieuse, on teint avec du kermès, j'en ai parlé la semaine dernière, utilisé à la fois en peinture et en teinture, un insecte qui se rencontre sur le pourtour méditerranéen et en Europe orientale, sur certains arbres, notamment le chêne. Seule la femelle, quand elle est grosse, a des pouvoirs colorants. Il faut la récolter, la faire sécher, la broyer. Ça donne une magnifique matière colorante rouge. Le produit coûte très cher parce qu'il faut énormément d'insectes pour produire un peu de matière colorante. Enfin, dans la gamme des rouges, les teinturiers européens, et depuis longtemps, savent faire beaucoup de choses. Ça explique un certain nombre de pratiques, celui de la robe de mariée, par exemple. Jusqu'aux années 1800-1830, en Europe, en milieu paysan, une mariée, c'est une jeune femme vêtue de rouge. Les mariées sont en rouge, pas en blanc. Pourquoi ? Parce que pour se marier, la jeune femme met sa plus belle robe, et la plus belle robe, c'est toujours, ou presque toujours, une robe rouge à la campagne. Dans la gamme des bleus, il faut distinguer deux périodes. Je vous en parlerai dans la dernière séance, qui sera entièrement consacrée à la couleur bleue. Jusqu'au XIIe siècle, et même au tournant des XIIe-XIIIe siècles, les teinturiers européens ont beaucoup de mal avec la gamme des bleus. Ils ne savent pas comment procéder. Et puis, en deux, trois générations, parce que la société le leur demande, ils font des progrès considérables. Et à la fin du Moyen-Âge, ils produisent des tons admirables de bleu, mais des bleus qui coûtent quand même relativement cher. Une matière colorante qui était connue et cultivée ici ou là, matière végétale, en Europe occidentale, devient une véritable culture industrielle, la guêde, qui donne un produit qu'on appelle le pastel et qui fait la fortune de certaines régions ou de certaines villes. La Thuringe, la Picardie, le Toulousain, la Toscane, j'en parlerai dans trois semaines. Dans la gamme des jaunes, il y a des produits bon marché, le genêt, utilisé depuis des temps très reculés, peut-être le néolithique également, le fameux genêt des teinturiers. Avec le genêt, on fait des balais et des teintures au Moyen-Âge. Ou bien la gaude, qui coûte un peu plus cher, un arbuste de la famille du Réséda. Et si on veut un produit de luxe, il faut utiliser une matière de très grand luxe, le safran, soit importé, soit cultivé dans quelques régions d'Italie du Nord, d'Allemagne méridionale ou de l'Orléanais pour la France. Dans la gamme des verts, il y a un problème lié à l'interdiction ou à l'absence de pratiques de mélange pendant très longtemps. Les Romains ne mélangeaient pas du jaune et du bleu pour faire du vert. La Bible interdit, comme vous le savez,
les pratiques de mélange, et on respecte les interdits du Deutéronome et du Lévitique dans le Moyen-Âge chrétien pour ce qui concerne les teintures, d'où cette division des teinturiers en deux catégories, et les cuves de jaune et les cuves de bleu ne se trouvant pas dans les mêmes officines, et parfois pas au même endroit dans la ville, on ne peut pas, et pendant longtemps on n'a même pas l'idée de mélanger du jaune et du bleu pour faire du verre. On sait faire du verre, mais on procède autrement. On utilise des plantes, et un très très grand nombre de plantes ont un pouvoir colorant dans la gamme des verres, mais ce sont très souvent des verres qui ne tiennent pas sur l'étoffe. Des verres instables, des verres grisés, des verres pisseux, nous dirions aujourd'hui. Les matières les plus ordinaires peuvent teindre en verre. La fougère, par exemple, teint très bien en verre, ou l'ortie, ou l'écorce du bouleau, et ainsi de suite. Presque toutes les plantes sont teintoriales, et les deux tiers servent à teindre en verre. Mais ça ne fait jamais de très beaux verres, d'où un statut particulier pour la couleur verte, pendant très longtemps, qui est une couleur dévalorisée et toujours désaturée, pas éclatante et peu solide sur l'étoffe. D'où un lien qu'on établit entre cette instabilité tinctoriale, chimique de la couleur verte et la symbolique qui s'y rattache, le vert est associé à tout ce qui est instable. La couleur chimiquement instable devient la couleur symboliquement instable, associée à tout ce qui change, tout ce qui bouge, la jeunesse, l'amour, l'espérance, le jeu, le hasard, la chance, la fortune. Tout ça, c'est vert au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Difficulté plus grande encore pour teindre dans un noir vraiment noir. On utilise beaucoup de produits végétaux, des écorces, des racines, des baies, les racines du noyer, les racines du châtaignier. Ça donne des noirs presque noirs, mais jamais complètement noirs. Et ça donne plus souvent encore des gris foncés et des bruns foncés. Il y a un produit de grand luxe qui donne des beaux noirs, sur les étoffes de laine notamment, c'est la noix de Galles, c'est-à-dire un produit à la fois végétal et animal. C'est une sorte d'excroissance qui apparaît sur les feuilles de certains arbres, notamment certaines espèces de chênes, lorsque, surtout en Europe orientale, les feuilles de cet arbre ont été piquées par différentes catégories d'insectes. Et cette excroissance a un pouvoir colorant extrêmement fort dans la gamme des noirs, mais là encore, il en faut énormément pour obtenir un peu de matière colorante, d'où la cherté du produit. Quant au blanc, c'est presque impossible de teindre en blanc. Le procédé le plus courant, c'est la décoloration des étoffes sur le pré avec la rosée du matin. Ça n'est possible donc que l'été, il faut une très grande surface pour étaler les draps blancs. Et puis, c'est une teinture qui a tendance à jaunir assez rapidement. Ça explique pourquoi, dans l'Occident médiéval et encore dans une partie de l'Occident moderne, toutes les personnes qui, à un titre ou à un autre, doivent être habillées en blanc, ne le sont jamais, jamais vraiment. Les moines cisterciens, par exemple, doivent avoir un habit blanc pour montrer qu'ils ne sont pas bénédictins, qui eux sont en noir, mais c'est un habit théorique, parce que teindre en blanc, même dans les monastères cisterciens, c'est un exercice presque impossible. Donc, gardez à l'esprit que les blancs du Moyen-Âge sont des presque blancs en matière de teinture. Avant de passer aux images, un mot sur ces documents que j'ai appelés loi somptuaire et décret vestimentaire. Leur apparition est liée à la crise économique que connaît le Moyen-Âge finissant. Après une période d'expansion, de prospérité économique et démographique, de l'an 1000 jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les choses s'essoufflent, la crise est là. Et elle va durer longtemps, au moins jusqu'au milieu du XVe siècle. Et on repense l'économie et on tente, dans certaines régions, dans certaines villes, de lutter
contre les investissements improductifs, les dépenses inutiles et les excès de luxe. Le phénomène commence en Italie, puis il s'étend vers l'Allemagne méridionale, la vallée du Rhin, les Pays-Bas, dans les années 1300, puis un peu plus tard, le Royaume d'Angleterre, le Royaume de France, le Royaume de Castille sont touchés. Et les autorités, soit municipales, soit seigneuriales, soit royales, produisent des textes réglementaires qui soit interdisent ceci ou cela, soit prescrivent ceci ou cela à telle ou telle catégorie sociale. Et pour le vêtement, les couleurs sont abondamment concernées. Donc nous avons là des documents qui nous informent beaucoup. Les motifs économiques, d'ailleurs, ne sont pas seuls en cause. Éviter des dépenses trop luxueuses en important des matières colorantes extrêmement coûteuses d'Asie ou d'Europe orientale, ou des tissus même. Les motifs peuvent être aussi sociaux, maintenir des barrières entre les classes sociales. On a des marchands, des roturiers qui s'enrichissent, qui sont plus riches que les nobles et qui s'habillent plus richement qu'une bonne partie de l'aristocratie. Et ça, pour les autorités, c'est absolument contraire à l'état des choses. Toutes ces lois somptuaires et ces décrets vestimentaires sont rétrogrades, conservatrices, presque réactionnaires. Elles sont hostiles à toutes les nouveautés. Et elles réglementent, elles légifèrent. Ça concerne le vêtement, mais ça concerne aussi d'autres choses. Tous les biens que l'on possède, la vaisselle, les tissus, les fourrures, les bijoux, les chevaux, les équipages qui vont avec, les biens meubles et les biens immeubles. En Italie, on légifère beaucoup à Florence, à Venise, à Milan, dans ces domaines, justement pour qu'il n'y ait pas confusion entre le peuple et le patriciat, entre le patriciat et ce qui tient lieu de noblesse. Et on fait un peu pareil ailleurs. Certaines catégories sociales sont particulièrement visées, notamment les jeunes et les femmes qui prennent trop d'importance dans la société. Alors pour le vêtement, les couleurs sont concernées en ce sens que au XIVe et XVe siècle, et ça va durer parfois longtemps, à Venise jusqu'au XVIIIe siècle, certaines couleurs sont interdites à telle ou telle classe ou catégorie sociale et d'autres sont prescrites. Les couleurs interdites peuvent l'être parce qu'elles sont inconvenantes. Alors là, il s'agit plus de couleurs en association que telle ou telle couleur isolée. Et les motifs rayés ou adamiés sont particulièrement visés pour tout le monde comme immoraux, indécents. La rayure, c'est indécent. Je vous en montrerai quelques exemples en images. Ou bien des couleurs sont réservées à tel ou tel emploi ou catégorie sociale, donc les autres ne doivent pas s'en servir. À Milan, le rouge est réservé aux magistrats. À Venise, c'est la couleur du doge. On ne doit pas porter de rouge. Mais le plus souvent, ailleurs, en Allemagne, aux Pays-Bas, même en France, ce ne sont pas tant les couleurs qui sont visées que les matières colorantes. Quand elles coûtent trop cher, elles sont réservées à la plus haute aristocratie, et les roturiers, même très riches, et il y en a beaucoup à la fin du Moyen-Âge, n'y ont pas droit, aux draps et aux étoffes de luxe teintes en bleu ou teintes en vert avec des produits qui coûtent cher. Le kermès, par exemple, l'indigo pour les bleus, le safran pour les jaunes, j'en ai parlé, la noix de galle pour les noirs. Quelquefois, des détails sont donnés. Ce sont des textes difficiles à étudier quand même, ces lois somptuaires, quand elles entrent dans le détail des matières colorantes. Et puis inversement, il y a des couleurs prescrites à des catégories sociales qui doivent se faire remarquer, se signaler par le port d'une couleur spécifique. Les métiers particuliers, souvent sur les marges de l'ordre social, les prostituées, les bourreaux, mais aussi les médecins, les musiciens, les jongleurs. Tout ça, ce sont des personnages qui ont à voir avec un certain désordre. On doit les reconnaître. Ça peut être aussi les infirmes, les lépreux,
les étrangers, les bohémiens, comme on dit, les Égyptiens, ce sont nos tziganes. Et puis, ce peut être les condamnés à des peines limitées dans le temps ou des peines plus graves, notamment les faussaires, les faux témoins ou simplement les ivrognes. Pendant quelque temps, ils doivent porter un vêtement spécifique. Et puis, naturellement, les non-chrétiens, ici ou là, doivent se signaler, eux aussi, par des vêtements particuliers, les juifs, les musulmans, et plus encore les hérétiques qui ont été condamnés et qui n'ont pas été exécutés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de système à l'échelle de l'Europe occidentale, ni même à l'échelle d'un pays ou d'une région. En général, ça fonctionne ville par ville ou seigneurie par seigneurie, et ça change beaucoup au fil des décennies. Par exemple, à Milan, au XVe siècle, vers 1400, les prostituées doivent porter une pièce de vêtement rouge dans la rue qui permet de les distinguer des honnêtes femmes. Mais au milieu du siècle, c'est devenu une pièce de vêtement noir, et à la fin du siècle, toujours à Milan, une pièce de vêtement blanche et noire, une aiguillette, une écharpe, un chaperon, etc. Donc il n'y a pas de règle. La fameuse rouelle imposée aux Juifs à certaines époques et dans certaines villes ou régions, ce n'est pas toujours une rouelle, une petite roue, c'est parfois une autre figure, les tables de la loi, même une croix parfois. Et puis les couleurs varient beaucoup, même si le jaune est souvent sollicité. Parfois c'est le rouge, parfois c'est le rouge et vert, parfois le rouge et jaune, parfois le rouge et blanc. Bref, on ne peut pas mettre en avant un système chromatique qui serait commun à l'ensemble de la chrétienté pour une catégorie sociale donnée. Alors, je voudrais vous montrer un certain nombre d'images, comme les semaines précédentes. Ici, une image de teinturier dans un manuscrit de la deuxième moitié du XVe siècle, originaire de Bolzano, dans cette partie de l'Italie où l'on parle allemand. On a très peu d'images de teinturier pour le Moyen-Âge. Pour les peintres, on en a bien davantage, et les enlumineurs aussi. Les teinturiers, c'est extrêmement rare. C'est un recueil de recettes. Le texte mélange à la fois le latin, l'allemand, et puis le dialecte qu'on dirait romanche, nous aussi, ou ladin pour ces régions. Cet apprenti teinturier fait un geste spécifique, il se pince le nez, hein, on voit que les pratiques de teinture, ça sent très mauvais, et c'est pour ça que dans de nombreuses villes, à toute époque, les populations demandent à ce que les teinturiers s'installent dans les faubourgs. Non seulement ils sont agités et querelleurs, mais leurs officines empuantissent tout le quartier. Nous avons davantage d'images de drapiers. Voici un vitrail célèbre de ce mur en auxois, datable des années 1460, dans une chapelle, un vitrail offert par le corps de métier des drapiers, en général un corps de métier riche. Les teinturiers aussi sont riches, hein. Ils sont méprisés par la population, mais ils ne sont pas pauvres du tout. Et ils offrent aussi parfois des peintures murales ou des vitraux à des chapelles, notamment parce qu'ils ont un saint patron prestigieux, Saint Maurice, un personnage considérable pour la culture médiévale. La légende veut qu'il soit un saint africain, originaire de Nubie. On le fait, dans les images, on le fait noir à partir du XIIe siècle. Il est à la fois le patron des teinturiers et le patron des chevaliers, ça n'est pas rien. Et puis les teinturiers s'appuient aussi sur les évangiles apocryphes, qui parle de l'enfance de Jésus, et dans les épisodes apocryphes, il y en a un qu'il cultive particulièrement, Jésus placé par Joseph en apprentissage chez un teinturier à Tibériade. Et l'enfant Jésus, qui est petit, ne fait que des bêtises chez son maître teinturier, notamment il
plonge dans la même cuve toutes les étoffes qui devaient être teintes de couleurs différentes. Mais c'est Jésus, il fait des miracles, tout rentre dans l'ordre. Et alors les teinturiers sont extrêmement fiers d'avoir un prédécesseur aussi prestigieux que l'enfant Jésus. Et donc, ils offrent notamment des vitraux à telle ou telle église. Et c'est un moyen de se faire pardonner leurs activités suspectes et salissantes. Nous avons quelques images qui montrent la fabrication des vêtements ou la vente de vêtements. Voici dans un manuscrit italien datable des années, pareil, 1450-1460. Nous sommes dans la région de Bologne. On voit ici l'officine d'un marchand de vêtements de laine, nous dit la légende. On voit la coupe, on voit comment les différentes couleurs sont présentes. On voit du vert, ce qui n'est pas très fréquent pourtant dans ces régions à cette époque. Et on voit même, sur la miniature d'après, un essayage. Hein, le tailleur, il n'y a pas d'autre mot, est en train de faire essayer à ce client un magnifique vêtement de couleur bleue, probablement teint à l'indigo. La guêde, c'est un produit local en Europe, qui donne le pastel, ça donne de très beaux tons de bleu, mais l'indigo importé d'Asie, ça donne des bleus encore plus beaux en ce 15e siècle italien. Et quand les Européens arriveront au Nouveau Monde, ils trouveront des familles d'indigotiers en Amérique centrale bien plus performants en matière de teinture que les indigotiers d'Asie. Ça va tout changer, je vous en parlerai, comme promis, donc dans 3 semaines. L'arrivée de nouveaux colorants peut provoquer des modes relativement éphémères. Voici une miniature tirée des Petites Heures de Jean de Berry, un livre d'heures dont la compilation et la peinture s'est échelonnée sur presque 4 décennies. Et la dernière miniature, ajoutée par les frères Limbourg à l'horizon des années 1410, peut-être la plus célèbre de toutes les miniatures que le Moyen-Âge nous a laissées, montre un personnage incroyable, doté d'un magnifique vêtement de type houppelande, très déchiqueté, rose. Et ça, c'est une grande nouveauté à la fin du XIVe et du XVe siècle. C'est un cortège, le duc de Berry fait vœu de pèlerinage, il part peut-être la nuit en pèlerinage, en tout cas en voyage, il a un bâton de pèlerin ici, il est déjà âgé, hein. Il porte son fameux bonnet en poil d'ours, et ce personnage, qui n'est pas du tout un sergent, mais un personnage avec un costume d'un luxe inouï, porte une couleur à la mode, une couleur nouvelle et à la mode, un rose. Et ça n'est possible qu'à partir du moment où on importe en Europe un produit colorant nouveau que l'on connaissait à peine avant l'extrême fin du XIVe siècle, le bois de Brésil, qui va servir à la fois en peinture et en teinture pour fabriquer des roses et des orangers. Et qui plus tard, quand on trouvera ce même bois en Amérique du Sud, donnera son nom à ce pays que nous appelons le Brésil. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, et la miniature est fière d'employer ce pigment nouveau et de montrer un personnage vêtu à la dernière mode avec ce qu'on n'appelle pas encore rose, hein, parce que rose ne devient un terme de couleur en français qu'au XVIe siècle. Avant, on dit incarnat, couleur de carnation, couleur de la chair, de la peau. Je n'ai pas parlé des fourrures, mais c'est comme pour l'or dans la peinture, la fourrure fait partie du système vestimentaire et par là même du système chromatique dans le vêtement, avec des fourrures identifiables dans les images et dans les textes et d'autres qui le sont moins. Cette fourrure que l'on voit dans ce manuscrit de la fin du XIIIe siècle, un recueil d'images de saints qu'on appelle le livre de Madame Marie, peint dans la région de Cambrai vers 1285-90, montre ici Saint-Martin qui partage son manteau, et on voit magnifiquement la doublure de vert qui est bichrome, la fourrure vert, V-A-I-R, fait alterner
le dos et le ventre d'un écureuil importé d'Europe orientale et spécialement de Russie. Le dos est gris bleuté et le ventre est blanc, et c'est l'alternance des peaux qui forme cette structure particulière qu'on appelle le ver. À l'époque féodale, c'est une fourrure qui coûte cher. Elle vient de loin, elle est prestigieuse. À la fin du Moyen-Âge, elle se dévalue beaucoup. On en a trop importé, et puis on commence à remplacer les écureuils de Russie par des écureuils plus occidentaux, et donc les tons sont un peu différents, mais le prix de revient est beaucoup moins cher. Voici l'autre fourrure qui subit une courbe de prix inverse, l'hermine. Ici, c'est une miniature du milieu du XVe siècle. On voit le roi Marc et Iseux qui veut se suicider, qui a installé une épée dans un arbre. Le roi Marc l'en empêche, elle a appris que Tristan était parti dans notre Bretagne armoricaine, qu'il est très malade. Mais on voit très bien la doublure de son vêtement qui est faite d'hermine. L'hermine qui, elle aussi, est une fourrure importée de l'Europe du Nord, le pelage blanc de l'animal avec semé le bout la queue noire du même animal. À l'époque féodale, ça ne coûte pas tellement cher, l'hermine. Et le ver est presque plus prestigieux et coûteux. À la fin du Moyen-Âge, les valeurs se sont inversées. Le ver s'est dévalué et l'hermine coûte très cher et devient propre à certains personnages de très haut rang. Elle va peu à peu se faire plus rare et à l'époque moderne, l'héritière de l'hermine, c'est la dentelle, en tant qu'elle prend place à peu près aux mêmes endroits dans un certain nombre de vêtements institutionnels ou de cérémonies. C'est la même idée. Ce que nous appelons fourrure, au Moyen-Âge, c'est à l'intérieur des vêtements, hein, ce sont des doublures, ça fourre, ça se place à l'intérieur, et ça déborde à certains endroits, on ne voit pas ici, mais ça déborde aux manches, au col, au bas du vêtement. Mais ça ne se porte pas à l'extérieur. Un manteau de fourrure, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire déguiser l'homme en animal, ce serait particulièrement scandaleux hein, pour les systèmes de valeurs médiévaux. Mais on en voit quand même, on croit en voir parfois quelques-uns. On a déjà vu cette image, et voilà Monsieur Arnolfini, ou prétendu tel, avec sa femme enceinte, je le répète, dans cette magnifique robe verte. Lui, il porte un vêtement, et on a l'impression que nous sommes en 1434, que Van Eyck a mis en scène, pour ce banquier lucquois installé à Bruges, une pelisse entièrement faite de peau animale, de fourrure, doublée, enfin renforcée, galonnée ici et au col, d'une fourrure de couleur et peut-être de matière différente, avec un écho avec les poils du chien, on est dans l'animalité. Et ça, ça n'est vraiment pas fréquent avant le XVe siècle. Une pièce de vêtement faite entièrement de poils d'animaux. Voici un autre exemple, légèrement antérieur, dans un manuscrit célèbre parisien montrant le roi Charles VI, qui a une magnifique robe noire doublée d'hermine, et puis un certain nombre de ses conseillers, et ces deux-là, ces deux-ci, on a l'impression qu'ils ont ce qui coûte le plus cher, un vêtement entièrement fait de fourrure noire, la martre zibeline, la plus chère de toutes les fourrures, à la fin du Moyen-Âge. La martre, c'est un animal de la famille de la belette, qui est surtout présent en Europe orientale. Et quand elle est noire, sa fourrure est très, très recherchée. C'est ce qu'il y a de plus cher hein, dans les systèmes de valeur de la fourrure. Et c'est renforcé, doublé et renforcé d'une autre fourrure plus claire. Ici, c'est intéressant, on voit un personnage vêtu de gris. Le gris devient une couleur à la mode dans les dernières années du XIVe siècle, un peu partout en Europe occidentale, et va le rester jusqu'au début du XVIe siècle.
Et le gris, qui avant et après est plutôt méprisé qu'admiré, pendant 3-4 générations, va être une couleur très recherchée dans les milieux favorisés, chez les patriciens d'abord, dans l'aristocratie ensuite. Il est même parfois pensé comme contraire du noir. Les deux couleurs font couple. Et le gris, dans la symbolique des couleurs de la fin du Moyen-Âge, est souvent associé à l'idée d'espérance. Ce n'est pas le cas ici, mais quand le noir, qui est ambivalent, il y a le bon et le mauvais noir, mais le mauvais noir qui est signe de mort et de deuil, c'est triste, eh bien son contraire, un de ses contraires, le gris, devient couleur d'espérance. On a plusieurs poèmes qui célèbrent le gris de l'espérance, notamment un poème célèbre de Charles d'Orléans, prisonnier à Londres, qui espère rentrer dans le royaume de France et qui s'habille de gris pour maintenir espérance. Une des conséquences de ces lois somptuaires et des décrets vestimentaires dont je parlais à l'instant, c'est de favoriser la mode des gris et des noirs. Ça se passe d'abord en Italie. Les textes interdisent aux riches patriciens dans certaines villes, dès la première moitié du XIVe siècle, de porter des vêtements teints dans des rouges et dans des bleus très chers. Les belles couleurs, les belles matières colorantes leur sont refusées, alors qu'ils sont très riches. Et donc, un peu par dérision, ils se mettent à porter du noir. C'est un signe de protestation. Et ils demandent aux teinturiers de faire des progrès dans la gamme des noirs, ou bien ils achètent des fourrures. Et ça contribue, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, à mettre les noirs à la mode en Italie, spécialement en Italie du Nord. Et puis, il y a un moment où la fille du duc de Milan, Valentine, épouse le frère du roi de France, Charles VI, elle épouse le fameux Louis d'Orléans, personnage épouvantable, et elle apporte à la cour de France les usages de la très riche cour de Milan, bien plus riche que la cour de France, et notamment cette mode des habits noirs qui, des patriciens, était passée aux princes. Et à partir des années de l'extrême fin du XIVe siècle et des premières du XVe, dans le royaume de France, les très grands personnages se mettent à cette mode nouvelle des noirs. Et puis, peu à peu, d'autres très grands personnages, en Angleterre et ailleurs, imitent la cour de Milan, puis la cour de France. Et le XVe siècle, c'est un siècle du gris, comme je viens de le dire, mais surtout un siècle du noir en milieu royal et princier. Et le plus grand zélateur du noir, c'est lui, c'est Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, le plus puissant prince d'Occident. Le noir qu'il porte, c'est à la fois un noir de très grand luxe, ce noir royal et princier, et un noir de deuil. Son père, Jean sans peur, a été assassiné en 1419 à Montereau, sur le pont, un crime politique. Et pendant toute sa vie, Philippe le Bon affirmera qu'il s'habille en noir pour porter le deuil de son père lâchement assassiné par la clique des Armagnacs, des Orléans-Armagnacs. Mais ce faisant, comme c'est le personnage le plus riche et le plus puissant d'Occident, il relance la mode des noirs et tout le monde se met progressivement à porter du noir et ça va durer longtemps. Son fils, Charles le Téméraire, ici peint par Van der Weyden, le portrait de Philippe le Bon qui datait des années 1455, attribué à l'atelier de Van der Weyden. Là, ce portrait qui est à Berlin est attribué à Van der Weyden lui-même, c'est-à-dire un des plus grands peintres de tous les temps. Et Charles le Téméraire, comme son père, là il n'est pas encore duc de Bourgogne, on est vers 1460, il faudra attendre 67, lui aussi, pendant toute sa vie, est fidèle à cette couleur noire, qui est la couleur de la cour de Bourgogne. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'étiquette de la cour de Bourgogne et ses valeurs, notamment vestimentaires, par héritage, vont passer à la cour d'Espagne, ou plutôt aux Habsbourg, puis à la cour d'Espagne. La fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, épouse Maximilien d'Autriche, un Habsbourg, et
L'étiquette, le protocole, les habitudes de cette cour prestigieuse de Bourgogne prend place à la cour d'Espagne et à l'époque moderne, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, en Europe, c'est la cour d'Espagne qui lance les modes. Et c'est la mode du noir. Charles Quint, Philippe II, Philippe III sont des grands élateurs du noir, s'habillent de noir extrêmement souvent. Toute l'Europe va rester fidèle au noir jusqu'au milieu du XVIIe siècle, l'Europe princière et royale. Et ça va changer quand ce sera la cour de France, celle de Louis XIV, qui lancera les modes dans l'Europe royale et non plus la cour d'Espagne. Mais donc ce noir bourguignon, il a une histoire de très longue durée, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Alors il n'y a pas qu'à la cour de Bourgogne, donc on porte du noir. Voici un très beau diptyque qui est tout près de nous, il est conservé au Louvre. Il est petit, hein, l'image, il fait 17 sur 27 centimètres. Nous sommes vers 1470-75. Le peintre, c'est Nicolas Froment, pardon, un des peintres de René d'Anjou, ici. Sa deuxième femme, Jeanne de Laval, et tous les deux sont vêtus de noir, non pas qu'ils sont en deuil, mais ils portent le vêtement le plus élégant possible à l'horizon de ces années 1470. Ce noir, mais très différent, on le retrouve dans les vêtements monastiques. Ici, nous avons un saint anglais, anglo-écossais, saint Cuthbert, dans un manuscrit enluminé de la fin du XIIe siècle qui raconte sa vie. Et on voit ces moines, qui sont des moines bénédictins, tous vêtus de noir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, teindre en noir, surtout quand on n'est pas très riche, ça n'est pas très facile, ce qui fait que souvent les moines bénédictins, dans la réalité, ils devraient être noirs, mais ils ne le sont pas. Ils sont en marron, ils sont en gris, ils sont en bleu, plus ou moins foncé. C'est une teinture artisanale pratiquée dans le monastère même. Le noir couleur des moines, ça ne date pas de l'origine de Saint-Benoît lui-même. La règle de Saint-Benoît, compilé en plusieurs stades au VIe siècle, précise que les moines ne se préoccuperont pas de la couleur de leurs habits. C'est vraiment à l'époque carolingienne, plus tard, qu'on recommandera de prendre des couleurs modestes, des couleurs d'humilité, et le noir, à cette époque, est pensé comme une couleur humble, et donc va devenir une couleur de vêtements monastiques, puis une couleur de la modestie, de l'humilité, de la tempérance sur le plan symbolique. Ce qui fait qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a vraiment deux noirs qui sont juxtaposés. Le noir princier, royal, luxueux, et puis le noir des moines qui n'a pas disparu, qui est le moine de l'humilité et parfois de la dignité. Voilà une vie de Saint-Benoît, ou plutôt un lectionnaire bénédictin avec récit de la vie, des miracles, des prières, des sermons de Saint-Benoît. Le Codex Benedictus, copié et peint au Mont Cassin vers 1070, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Vaticane. Et tout au long de ce manuscrit, dans toutes les miniatures, on voit Benoît et ses moines, puis d'autres, il est habillé de bleu. Et il n'y a pas un pouce de noir sur les vêtements des personnages mis en scène dans ces manuscrits. Voilà un exemple de l'écart considérable qu'il peut y avoir. On est au XIe siècle entre ce que montrent les images et la réalité vestimentaire de la même époque. Ce noir monastique, ce noir humble, il va être récupéré par la réforme protestante. Voici Luther, un des très nombreux portrait de Luther par Cranach. C'est un Luther encore jeune, pas encore très gras, vêtu de noir. Les grands réformateurs protestants moralisent beaucoup les couleurs, distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes. Les couleurs honnêtes pour Luther, pour Calvin, pour Mélenchon, pour Zwingli, etc., ce sont le noir, le gris, le blanc, le brun et le bleu, qui est dans le bon groupe. Et les couleurs déshonnêtes, ce sont le rouge, le jaune et le vert, dont tout bon chrétien doit, même tout bon citoyen, doit s'abstenir.
Donc ce noir protestant, c'est un noir d'humilité. Ce qui fait qu'à la même époque, vous avez la date ici, à la même époque, dans le Saint-Empire romain germanique, on a le noir de Charles Quint. Charles Quint s'habille de noir tous les jours, mais c'est un noir impérial, luxueux, même si c'est un très grand chrétien, un des hommes les plus pieux de tous les temps. C'est quand même pas le même noir que celui de Luther et des grands réformateurs qui se font toujours portraiturer en couleur sombre. Hein. Les deux noirs cohabitent. Alors, les images nous informent également sur d'autres couleurs de vêtements monastiques. Voici dans le livre qu'on a déjà vu, le livre de Madame Marie, fin XIIIe siècle, des images de quelques grands saints, Saint François d'Assise et Saint Antoine de Padoue, de Saint Franciscain qui porte l'habit franciscain, on reconnaît la corde avec les trois nœuds. C'est l'époque où saint Antoine de Padoue n'est pas encore devenu plus prestigieux que saint François, mais ça ne saurait tarder. Et ils sont habillés en brun ici. Les franciscains ont un problème avec la couleur. Les premières règles, et François lui-même donc, affirmait qu'il ne faut pas teindre la robe de laine. Elle doit être naturelle, non teinte. La teinture étant pensée comme une richesse totalement inutile. Mais tous les autres ordres monastiques puis religieux, même chez les mendiants, pratiquent la couleur pour se distinguer, s'emblématiser. Et donc, quand les franciscains font leur apparition et s'organisent au début du XIIIe siècle, c'est trop tard. Refuser la couleur, ça n'est pas possible. Ce qui fait que, malgré eux, ils vont être associés à différentes couleurs. Dans les images, c'est assez souvent le brun, comme ce que l'on voit ici, mais ça peut être aussi le gris, parce que dans les villes, les franciscains en chair et en os, par les populations, sont très souvent appelés les frères gris, parce que leur robe non teinte, au fil du temps, elle se salit et elle prend une teinte grise. Et comme on dit les frères noirs, les moines noirs pour les bénédictins, les moines blancs pour les cisterciens, les frères noirs et blancs pour les dominicains, les frères rayés pour les carmes. Il faut trouver une couleur pour les franciscains. On les appelle les gris puisque leur robe est sale. Et saint François lui-même est assez souvent appelé saint gris. Et quand Henri IV utilise le juron qu'il aime bien, ventre saint gris, c'est un juron épouvantable, une obscénité autour de saint François d'Assise. Voilà une image liée au concile de Constance, 1414-1418, l'image est un petit peu plus récente, où on voit les trois ordres mendiants, les franciscains en gris, les carmes qui n'ont pas leur manteau rayé, que le pape leur avait demandé de changer, au début du XIVe siècle, ils sont en blanc et brun. Et puis les dominicains, robe blanche, écharpe noire, le noir étant plutôt marron dans cette image. Voici un manuscrit des années 1400, les images accompagnent un texte de Boccace des claires femmes, et le vêtement y est particulièrement mis à l'honneur, et La variété des couleurs vestimentaires est incroyable. C'est un manuscrit de luxe, copié et peint pour le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Et les couleurs, évidemment, ne photographient pas la réalité, mais leur diversité nous donne une idée de la palette que l'on peut rencontrer dans les milieux princiers à cette époque en matière de couleurs. Le luxe, sous le règne de Charles VI, atteint en France un degré qu'il n'atteindra plus jamais avant l'époque de Louis XIV, peut-être. D'où toutes ces réactions morales, institutionnelles, juridiques, réglementaires, et ces lois somptuaires dont l'Europe est friande au XVe siècle. On voit ici, à la fois en matière de forme, de pièces de vêtements et de couleurs, le top du top, si je puis dire. Le luxe peut aussi s'exercer dans les pratiques de deuil.
plus on avance vers l'époque moderne, plus on dépense pour les funérailles, non seulement quand on est au niveau des rois et des princes, mais même plus bas dans l'échelle sociale. Nous manquons de bons travaux sur l'histoire des pratiques du deuil et de leur rapport avec les couleurs. Mais l'idée, quand même, est que cela émerge lentement, après l'an 1000, cette habitude, pour marquer le deuil, de porter des vêtements d'un type spécifique et d'une couleur particulière. La pratique est d'abord espagnole et italienne, puis elle remonte vers le nord de l'Europe lentement. Elle ne concerne pendant très longtemps que les classes les plus favorisées. Et jusqu'au XIVe siècle, l'idée, c'est de porter des vêtements sombres, mais pas nécessairement noirs. Ça peut être le gris, le brun, le violet, le vert foncé, le bleu foncé. Dans les textes littéraires, les romans de chevalerie, par exemple, un chevalier en deuil porte souvent du gris ou du bleu foncé. Puis, à la fin du Moyen-Âge, le noir finit par éliminer les autres couleurs et devient celle du deuil, toujours dans les milieux royaux, princiers, seigneuriaux de haut niveau. C'est ce que l'on voit ici pour les funérailles d'Anne de Bretagne, deux fois reine de France, avec toute sa panoplie emblématique. C'est pas ce qui concerne son corps qui est enterré à Saint-Denis, mais c'est ce qui concerne son cœur qui est enterré à Nantes dans la chapelle des Carmes. Elle est morte au mois de janvier 1514 et on voit ici tous ses emblèmes, ses armoiries, parties de France et de Bretagne, mais la couleur s'est un peu abîmée. L'hermine qui est l'un de ses badges, la cordelière qui est un emblème qui lui est propre, et puis sa devise, à ma vie, toute la panoplie est là, et puis la couleur noire, qui est naturellement, pour cette reine de France, la couleur obligée pour marquer le deuil et pour accompagner les funérailles. Et plus on va avancer vers l'époque moderne, plus ces pratiques réservées aux rois et aux princes vont s'étendre vers le bas de l'échelle sociale progressivement. Et on va continuer, malgré les lois somptuaires, de faire des dépenses folles pour marquer le deuil, notamment en matière d'étoffes et d'étoffes noires. Pour que les classes populaires, disons, soient atteintes par ces pratiques, il faut vraiment attendre la fin du XVIIIe siècle ou le début du XIXe siècle. Cette image n'est pas à sa place. Je voulais vous montrer quelques pratiques de la couleur verte qui, dans les textes et notamment dans ces décrets vestimentaires, est une couleur souvent associée à la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est vaste au Moyen-Âge. On peut être encore qualifié de jeune à 40 ans. Surtout comme ici, on est vers 1300. Au XIIIe siècle, on vit vieux. On vit beaucoup plus vieux au XIIIe siècle qu'au XVIIe siècle en Europe. L'espérance de vie est beaucoup plus grande. Pas croire que l'espérance de vie, ça ne fait que monter jusqu'à notre époque. Non, ça fait comme ça. Ça monte et ça descend. Et sous Saint-Louis, on vit bien plus longtemps que sous Louis XIV, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Donc la jeunesse, ça peut être très long. Et fréquemment, dans les textes, mais aussi dans les images, la couleur verte est associée aux jeunes gens et ici aux tournoyeurs. C'est la couleur de l'espérance, c'est la couleur de l'amour. Là, il y a un badinage amoureux avec la remise d'un anneau, mais c'est aussi la couleur des jeunes. Manuscrit célèbre, le Codex Manesse, copié et peint vers 1300, probablement à Zurich, très très riche d'informations pour les couleurs et les vêtements. Mais voici un autre document. Un siècle plus tard, les enfants de Louis d'Orléans, les neveux du roi Charles VI, avec leur maître qui les éduque, voilà Charles d'Orléans, et puis ses deux frères, le manuscrit est abîmé, vous voyez, mais la couleur verte, c'est un moyen de désigner leur statut d'enfant ou d'adolescent, dans notre sens à nous. C'est pas la taille qui fait que l'enfant est l'enfant, c'est la couleur. Et voilà une troisième fonction de la couleur verte. À la fin du Moyen-Âge, j'emprunte cette miniature très célèbre au très riche du duc de Berry, manuscrit conservé au musée
Condé à Chantilly, l'usage, non seulement pour les princes, mais pour une bonne part de la société, à partir du XIIIe siècle, veut que, pour marquer le début du mois de mai, on porte des vêtements verts, ce qu'on voit sur les princesses ici, ou bien on porte sur ces vêtements des motifs végétaux, des branches de végétaux véritables, et qu'on aille en forêt, c'est ce que fait ce cortège ici, chercher des arbustes, des plantes que l'on va déterrer et venir installer soit devant sa maison, soit introduire à l'intérieur de la maison, chercher le mai, planter le mai. C'est une pratique générale dans toute l'Europe occidentale, soit le 1er mai, soit dans les premiers jours du mois de mai, et donc une mise en scène pendant une semaine ou deux, très très abondante de la couleur verte, ici, dans le milieu des princes, mais c'est la même chose en milieu bourgeois et au village. Les villageois font de même, ils plantent le mai devant leur maison. Alors, ce qui nous manque, comme je le disais en commençant, ce sont des informations sur les vêtements des classes les plus défavorisées, notamment des paysans, qui représentent plus de 95% de la population. Donc, il faut rester lucide sur le relativisme de tout ce que nous savons. Voici une miniature des années 1470 où on voit quelques paysans. Ce qui fait qu'un roturier, un paysan est un paysan dans l'image, et spécialement à la fin du Moyen-Âge, c'est qu'il montre ses genoux. Le genou, c'est une partie du corps abominable pour les systèmes de valeurs médiévaux. Et montrer ses genoux, c'est signe que l'on est roturier, qu'on est de très basse classe. Et donc les vêtements des paysans sont souvent courts. Celui-ci est même en chemise. Il travaille en chemise, hein, c'est le mois d'août. On coupe le blé, on tond les moutons. Et se montrer en chemise, c'est extrêmement dévalorisant. Au Moyen-Âge, il vaut mieux apparaître tout nu, parce que la nudité, qui est peu scandaleuse, hein, la nudité, c'est l'état de nature, tel que le Créateur nous a fait. La chemise, c'est la nudité sociale. On se montre dans le premier degré du vêtement et de la couleur, et ça, c'est infamant. C'est pour ça que les condamnés qu'on expose, qu'on conduit au pilori, au bûcher, etc., ils ne sont pas tout nus, ils sont en chemise. C'est pas un problème de décence ou d'indécence, c'est un problème lié à l'infamie. C'est bien plus infamant d'être montré en chemise que tout nu. Pour terminer, quelques images concernant la polychromie, la bichromie, les rayures, qui sont des vêtements négatifs. Voici la lapidation de Saint-Étienne, avec le jeune Saint-Paul qui assiste, et puis les bourreaux. Et ce bourreau, nous sommes à la fin du XIIIe siècle, toujours dans le même manuscrit, le livre de Madame Marie, ce bourreau a un vêtement trichrome, jaune, rouge, vert. C'est un vêtement très, très, très péjoratif pour l'iconographie, mais aussi pour les pratiques véritables. C'est un vêtement bariolé, c'est un vêtement qui hurle du point de vue de la couleur, parce que les trois couleurs sont sur le même plan. Si ce personnage portait une chemise blanche, puis une tunique jaune, puis une robe verte et un manteau rouge, un empilement de couleurs, ce ne serait pas de la polychromie pour la sensibilité et le regard des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Pour qu'il y ait bariolage, pour qu'il y ait polychromie, il faut que les deux, trois, quatre couleurs se situent sur le même plan et pas sur des plans empilés les uns sur les autres. Et quand on est historien du Moyen-Âge, et des images particulièrement, il faut s'habituer à regarder comme ça, sinon on dit des bêtises, et être attentif à ces problèmes de plans qui sont absolument essentiels dans les documents médiévaux. Alors la rayure, c'est le premier degré de la combinaison de couleurs sur un même plan qui est soit scandaleux, soit dévalorisant. Ici, dans le Codex Manesseux, vers 1300, ça n'est pas dévalorisant, c'est un jeune homme à la mode qui entraîne une jeune fille dans la forêt pour faire des choses répréhensibles, et le peintre a bien montré qu'il porte cette combinaison de couleurs, une ligne de parti,
rose, enfin rouge d'un côté et bichrome rayé de l'autre, jaune et bleu. Ici, dans le même manuscrit, ce sont des musiciens qui sont en vêtements rayés, et les musiciens, ce sont des personnages qui sont sur les marges de l'ordre social et qui sont plus ou moins réprouvés. Comme les jongleurs, ce sont des saltimbanques, et on les méprise beaucoup. Voilà un document extraordinaire. Nous sommes vers 1460-65. C'est un manuscrit du roman de Tristan en prose, copié et peint dans le nord de la France. Non, pas dans le nord de la France, copié et peint dans la région de la Marche, du Limousin, de la Marche, montrant des mariniers en habits rayés. Quand j'étais jeune chercheur, j'avais écrit un livre, il y a longtemps, sur l'histoire des rayures et des tissus rayés, et j'avais étudié la rayure des marins, du vêtement des marins, et je n'avais pas pu remonter au-delà de la deuxième moitié du XVIIe siècle, comme date d'apparition du vêtement rayé pour habiller les marins. Et des collègues chercheurs canadiens m'ont informé que dans la baie du Saint-Laurent, on avait trouvé, il y a peu avant l'apparition de mon livre, on avait trouvé des fragments de vêtements de marins des années 1600, donc du tout début du XVIIe siècle, qui étaient déjà rayés. Donc ça reculait la date d'apparition de la rayure marine en Occident. Et là, on est beaucoup plus tôt, on est vers 1465, et on voit le roi Marc qui accueille des mariniers, et ils sont déjà en habits rayés. Ça devient le plus ancien témoignage, cette miniature, du vêtement marin, en quelque sorte. Et dans le même manuscrit, on a un autre personnage qui est en habit rayé, d'un peu différent. C'est le fou du roi Arthur, le fou de cour, le bouffon. Il s'appelle Dagonet. Et il porte aussi des vêtements rayés. Ce qui fait écart, ou ce qui fait scandale, ou ce qui est infamant dans la structure rayée, dans la surface rayée au Moyen-Âge, c'est que l'œil ne peut pas distinguer le fond et la figure. Les rayures sont sur le même plan. Donc le regard est perturbé. Lui qui est tant habitué à distinguer les plans et qui lit toutes les surfaces, toutes les images, plan par plan, en commençant par le fond, avec la rayure, ce n'est pas possible. Donc il y a une espèce de scandale visuel qui fait que dans tous les domaines, les surfaces rayées sont des surfaces péjoratives, à un titre ou à un autre, ou dévalorisantes quand il s'agit du vêtement. Je voudrais terminer avec un document incroyable, unique en son genre. On sort un peu du Moyen-Âge. Le livre de costume de Matthäus Schwarz montre deux images. C'est un banquier d'Augsbourg au service des fougueurs et qui, pendant 40 ans, s'est fait représenter aux différents âges de sa vie. Là, on est vers 1520. Il a 17 ans et il est en habit rayé, habit à la mode pour les jeunes, mais habit un peu scandaleux aux yeux des moralistes, mais nous sommes en pays catholique, pas en pays protestant. Et puis, à la fin de ce même recueil, qui est conservé à la Bibliothèque nationale, nous sommes en 1566, il a presque 63 ans, un homme âgé pour l'époque, et il est représenté tout en noir au seuil de la mort. Le texte est accompagné, les images sont accompagnées d'un petit commentaire, et on a comme cela plus de 50 images qui montrent ce personnage totalement narcissique qui fait faire son portrait aux différents âges de sa vie. Mais pour nous, c'est un document extrêmement précieux. Presque sur un demi-siècle, on a l'évolution des formes des costumes et des couleurs. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je crois qu'il nous reste 5 minutes pour des questions, s'il y en a. Oui ?
Est-ce qu'il y a un micro ou est-ce que vous parlez très fort ? Le voilà. Parlez très fort dans le micro de toute façon. Ah, il y a la... Excusez-moi, est-ce qu'on peut retrouver les références des images, en fait, des manuscrits que vous avez montrés ? Les images des... Pardon, enfin, toutes les images que vous avez montrées, est-ce qu'on peut retrouver les références sur le site ? Les références de quel document ? Ben, par exemple, les musiciens de l'image précédente, ceux qui sont bariolés avec les instruments de musique. Je ne peux pas vous donner les références de tous les documents. Quelqu'un qui serait habile à fabriquer un PowerPoint, vous aurez mis en dessous le titre de l'œuvre, les références. Je suis totalement incompétent, j'ai fabriqué moi-même les différents PowerPoints. C'est tout nouveau pour moi et je n'ai mis aucun texte. Je crois que c'est deux avant... Le manuscrit que j'ai appelé le livre de Madame Marie... il est conservé à la Bibliothèque nationale de France, dans le fonds des nouvelles acquisitions françaises, mais je ne peux pas vous dire la cote comme ça. Le Codex Manesseux, le plus célèbre de tous les manuscrits enluminés du Moyen-Âge, copié peint à Zurich au début du XIVe siècle, il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque universitaire d'Heidelberg, c'est le plus célèbre de tous les manuscrits allemands. Celui-ci, c'est un Tristan en prose conservé à la Bibliothèque nationale. C'est le manuscrit français 102. Donc voilà, comme ça, je peux... C'est ça que vous attendiez ou c'est d'autres types d'informations ? C'est surtout les musiciens juste avant. Je crois que c'est deux images avant. Je ne sais pas de quelle... Voilà, celui-là. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle le Codex Manesseux. C'est le plus célèbre de tous les manuscrits médiévaux enluminés qui nous sont parvenus, un plus célèbre encore que les très riches du duc de Berry. Dans le monde germanique, on voit des images sur les boîtes de fromage, sur les boîtes de dentier, etc. Donc c'est célébrissime. Hein. C'est le Codex Manesseux, un manuscrit très très épais qui copie le texte de 140 poètes courtois de langue allemande, et qui est accompagné de 134 grandes peintures, comme celle-ci. On est donc entre 1300 et 1310, à Zurich pour la plus grande part, à Constance, c'est-à-dire tout près, pour l'autre partie. Et donc ce manuscrit, je ne sais même pas s'il a une cote tellement il est célèbre, il est conservé à Heidelberg, à la bibliothèque universitaire. Il avait été pris par... les armées suédoises pendant la guerre de 100 ans à Heidelberg, où il se trouvait déjà dans les années 1630. Puis il avait un peu circulé, il avait abouti dans la bibliothèque royale, la bibliothèque de Louis XIV, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et pendant deux siècles, l'Allemagne a réclamé son retour comme une insigne relique de la culture germanique. Et à la fin du XIXe siècle, la France a fini par céder. Léopold de Lille, l'administrateur de la Bibliothèque nationale, où se trouvait le manuscrit, l'a rendu à l'Allemagne avec des festivités incroyables. Et il est arrivé à Heidelberg. La condition, c'était qu'il soit dans une bibliothèque publique. Et en échange, l'Allemagne a donné à la France ou redonné des manuscrits qui avaient été volés. Bref, c'est un document extrêmement important pour la diplomatie. À qui la parole ? Alors, je vais pouvoir vous poser la question. En ce qui concerne les veuves, à l'époque médiévale, elles devaient être, je crois, habillées de blanc. Et vous avez dit que le blanc était pratiquement impossible à réussir. Enfin, on ne pouvait pas teindre en blanc. Oui. Teindre en blanc, c'est vraiment un exercice difficile et ça va le rester jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Au village, on teint en blanc sur le pré. Dans des milieux plus aisés, on utilise des plantes de la famille de la saponaire. Mais surtout, une fois que le tissu est teint et mal teint en général, on ajoute des craies, de la chaux, de la céruse. On finit la teinture avec de la peinture.
et parfois de la peinture toxique, comme la céruse. Alors, le deuil pour les femmes et le veuvage ne se porte en blanc que pour les reines de France, à partir d'une certaine époque, qui est la fin du XIIIe ou le début du XIVe siècle. Ça ne dure pas très longtemps. Cette pratique cesse à l'époque de François Ier ou peut-être d'Henri II. Donc, c'est même pas 2 siècles et demi. Et en outre, ça se complique du fait qu'un grand nombre de reines de France ont porté, enfin un grand nombre, j'exagère, mais ont porté le nom de baptême Blanche. Et alors, il y a confusion parfois quand on parle d'une reine blanche entre une reine qui porte ce nom et une reine qui est veuve. Et au XIVe siècle, c'est terrible parce qu'il y a des reines de France qui sont veuves à 18 ans et qui vivent jusqu'à 80 ans et qui encombrent la cour de France pendant un temps considérable. Et certaines d'entre elles s'appellent Blanche. Mais ça ne concerne que les reines de France, hein, ce veuvage en blanc. De même, un usage court veut que le roi de France porte le deuil de son prédécesseur en rouge violacé, en cramoisi, comme disent les textes. Ça va de Charles VII jusqu'à François Ier, peut-être Henri II, jusqu'à Henri II. Moi, j'avais une question plus spécifique en fait, sur le XIIIe siècle, l'utilisation de la teinture sur les tissus, notamment le lin et la laine, parce qu'en ce moment, je lis beaucoup sur certains forums que seule la laine était teintée et le lin était uniquement décoloré, mais jamais teint, ou alors utilisé seulement en doublure. Donc moi, je voulais un peu votre avis là-dessus sur la teinture du lin, en fait, au XIIIe siècle. J'ai pas bien compris. Donc, c'est la différence entre la laine et le lin. Non, en fait, sur la teinture, l'utilisation, en fait, est-ce que le lin était teint ou pas, en fait ? Parce que en ce moment, il y a plusieurs débats sur des forums où on dit que le lin était uniquement décoloré et utilisé en sous-vêtements, mais pas coloré ou alors utilisé en doublure seulement. Et en fait, en gros, que tous les vêtements de dessus étaient forcément en laine colorée. Ça dépend des usages que l'on fait du lin, pour quelle partie et quelle pièce vestimentaire. Pendant des siècles et des siècles, tout ce qui touche le corps en matière textile doit être soit non teint, soit blanc, pour des raisons hygiéniques, mais aussi et surtout morales et symboliques. Hein. Et c'est vrai jusqu'au XXe siècle. Nous faisons des choses que jamais nos ancêtres n'auraient faites. Porter des sous-vêtements de couleur vive, s'essuyer avec des serviettes de toilette violet, brune, noire, se coucher dans des draps noirs, comme je sais que ça existe. Pour nos arrière-grands-parents, ça aurait été effrayant. Et ça vient de très très loin. Donc au Moyen-Âge, les vêtements qui touchent le corps, notamment la chemise, qui est très souvent en lin, et le lin c'est un végétal, la laine c'est un produit animal, et on est très attentif à mélanger l'animal et le végétal. Le végétal est toujours beaucoup plus pur que l'animal au Moyen-Âge, et donc ça vaut pour les matières textiles, ça vaut pour les matières colorantes et d'autres produits. Donc ce qui touche le corps doit être végétal, et soit non teint, soit blanc. Mais si on fait d'autres usages du lin pour, je dis n'importe quoi, une toile qui recouvre un meuble, un objet quelconque, là il peut être teint, on sait très bien teindre le lin et le chanvre au Moyen-Âge, c'est une teinturerie différente de la teinturerie de laine, hein, j'ai oublié d'en parler, mais les teinturiers peuvent être aussi spécialisés selon les matières textiles qu'ils pratiquent, soit l'étoile, le lin et le chanvre, soit la laine, soit la soie, qui est encore une autre particularité. Et donc, il y a des toiles de lin qui sont teintes, mais ce ne sont pas celles que l'on va utiliser en matière vestimentaire. De même pour les vêtements liturgiques, on est très attentif à distinguer les étoffes qui sont faites de lin et celles qui sont faites de laine. On ne fait pas n'importe quoi. —
J'aurais voulu vous demander, vous avez parlé tout au début que vous étudieriez surtout le Moyen-Âge, la moitié du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge. Je voulais savoir si les manuscrits mérovingiens ou carolingiens ou d'autres pièces, genre le livre de Kelm ou la broderie de Bayeux, n'étaient pas fiables comme source de renseignement. Fiable est un adjectif ambigu, hein. Tout est fiable parce que tout est document, mais ça n'est pas parce que ces documents ne photographient pas la réalité au premier degré qu'ils ne sont pas fiables. Une fois qu'on sait qu'ils ne photographient pas la réalité, on peut quand même les utiliser comme source documentaire, avec des correctifs, avec un relativisme, avec une habitude de ce qu'ils montrent. L'historien doit faire avec cela. En outre, nous avons une conception de l'exact, du juste, du réaliste, qui n'a aucun rapport avec la conception qu'on a de ces mêmes mots et notions au Moyen-Âge. Nous, par exemple, dans notre vocabulaire et dans notre maniement de concepts, nous confondons souvent l'exact et le vrai. Pour nous, c'est la même chose. Ou le vrai et le réel, pire encore. Au Moyen-Âge, le vrai et le réel n'ont aucun rapport. Le vrai... c'est métaphysique, ça concerne les vérités de l'au-delà. Le réel, c'est physique, ça concerne le monde d'ici-bas avec tous les problèmes qui s'y rattachent. Donc il n'y a aucun rapport, ou presque. Donc il faut être prudent. Mais les manuscrits mérovingiens sont peu nombreux, mais carolingiens, on en a quand même pas mal, et les peintures murales aussi, nous montrent des personnages avec leurs vêtements, leurs couleurs. Ça nous livre un certain nombre d'informations. Le problème, c'est qu'on a du mal à généraliser, et il faut admettre que ça n'est pas une photographie de la réalité. Souvent, le codage coloré, mais c'est vrai aussi de la fin du Moyen-Âge, le codage coloré fonctionne à l'intérieur du document. Et quand on travaille sur ce document, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut voir la fréquence, la rareté des couleurs, le statut de chacune des couleurs à l'intérieur de ce manuscrit enluminé. Il ne faut pas du tout commencer par dire « je vois là un personnage vêtu de bleu ». Or, Pastoureau a dit que les personnages vêtus de bleu, c'était ci et ça. Nous sommes à l'époque de Charlemagne. J'applique une symbolique des couleurs qui vaut pour le XVe siècle. Non, on ne peut pas. Absolument pas travailler comme cela. Il faut partir du manuscrit enluminé et regarder toutes les miniatures, le comparer avec des manuscrits enluminés contemporains, sortis du même atelier, d'ateliers un peu plus lointains, puis d'autres un peu plus récents ou un peu plus tardifs, essayer de se faire une idée des pratiques et des significations de la couleur avant d'avancer quelques hypothèses. Il ne faut pas mépriser les documents qui ne photographient pas la réalité. Il y a quelques semaines, j'étais à un colloque à Lausanne autour du cheval et une jeune archéologue parlait des écuries et des bateaux pour transport de chevaux à la fin de l'Empire romain. Le discours des textes et le témoignage des images ne s'emboîtaient pas. Et elle a eu cette phrase terrible, « Ces images, c'est vraiment n'importe quoi. » Parce que ça ne disait pas la même chose que les textes. Non, ce sont deux catégories documentaires différentes qui ont un discours qui peut être différent. Hein. C'est comme ces archéologues qui, pour le XIe siècle, regardent la broderie de Bayeux et constatent que les témoignages de l'archéologie, ce qu'on trouve en fouille, ça ne s'emboîte pas avec ce que montre la broderie de Bayeux. Il n'y a pas de scandale. On ne peut pas reprocher à la broderie de Bayeux de ne pas confirmer les trouvailles ou les hypothèses des archéologues. Chaque témoignage vaut pour lui-même et il faut comparer des terrains documentaires différents, il faut pratiquer des terrains documentaires différents et essayer d'attirer l'attention sur ces différences ou au contraire ces concordances, se faire une opinion personnelle, livrer à nos successeurs des interrogations, hein, on ne peut pas tout résoudre, et ainsi de suite. Voilà, donc.
Merci à tous. Et donc, je répète, nous ne nous voyons pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, le 6 décembre.